Bonjour Mathieu Jussol, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est là pour s'ouvrir le calendrier de l'Avent, la case 21 déjà du calendrier de l'Avent, ça va trop vite. Du coup on va s'ouvrir tout ça. Vous voyez pas mais il y a petit Woody qui est là. Oui aujourd'hui je suis sur mon lit, je suis pas dans mon état normal. Vous allez voir sa queue qui va passer. Voilà, du coup j'ai chopé le calendrier Pokémon à peu près aussi je trouve. Ça m'a un peu perturbe. Du coup on commence la dernière ligne de ces calendriers de l'avant. Woody s'il te plaît. C'est qui? Il me dit quelque chose mais je sais pas c'est qui. Voilà. Si vous savez, dites-le moi, parce que là, moi, j'ai aucune idée. Donc, quand j'aurai monsieur après, parce que là, il est au PC. Voilà, on va les ouvrir comme il vient. Du coup, on va faire le calendrier Disney. Et là, la case 21, c'est une tête de Mickey ou de Willy l'ourson, comme on veut. Comme on veut le prendre. Il se vide à grands pas, celui-ci. Enfin, pour tous, il se vide à grands pas. Hop, on va mettre les papiers. Là, je vois des talons. J'ai l'impression que c'est une souris. C'est Minnie normal. J'ai l'impression qu'on a que Mickey et Minnie dans tout ce calendrier. Minnie en biscuit, Minnie en Noël, Minnie normal. Elle est très belle, c'est pas ça, mais je commence à en avoir un peu plein les pépettes d'avoir les Mickey et Minnie. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Après, le petit Jack Couille, la coucouille. Non, c'est Jack. La case 21, elle est ici. Je l'attrape. Par la queue, je la montre à ce monsieur. Je rigole. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce paquet? Gardez ça encore, le paquet qu'on a. On voit à travers des yeux. Bon, je crois qu'on a compris, c'est Jack. Le choc, parce que là, il ne faut pas avoir. Je l'attrape par les pieds. Et c'est parti. C'est Jack en bonhomme de neige, j'allais dire. Ennui. Il va faire dodo, je pense. Il a une pancarte, celui-ci. Là. Et j'ai l'impression qu'il y a des défauts à sa bouche. On dirait qu'il y a des fois ça bouge. Il fait peur quand je le vois comme ça. Voilà. Après, on va se faire le deuxième Pokémon. On va attaquer la chaussette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans la chaussette? Lui aussi, il me dit quelque chose. Je connais le Pokémon, mais je sais plus comment. Je le vois partout et il est très moche. Mais très moche. Franchement. Si on sait qu'il vient d'un calendrier de l'avant, Pokémon, on dirait vraiment pas un Pokémon. Franchement, là, je vais montrer ça à monsieur et il va me dire ça à la poubelle. Le Harry Potter. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir? J'aimerais bien avoir une petite Edwige, un petit animal. La case 21, elle est ici. C'est vrai qu'on a eu le petit par contre il est bien gros bon, c'est le petit la chouette qui se fait écraser là tout le temps qui prend les murs. J'ai l'impression que c'est le professeur là je retiens pas les noms. Oui c'est lui et il sort pas du tout. J'arrive pas bien sortir. Oui, c'est lui. Lui aussi, il en a tout plein de pop de lui dans tous les sens. Il a à manger dans sa main. Comment il s'appelle le grand gros là? Hagrid. Hagrid. Voilà. C'est jamais le bien portant. On va dire. C'est beaucoup mieux. Le bien portant. Il est très beau. J'aime beaucoup. Ça me barbe. On dirait qu'il y a les cheveux qui vont à la barbe, mais
Woody, tu ne piques pas mes personnages, non, merci. Je joue avec mes personnages. Juste derrière vous. Et puis, le petit... le plus beau, le plus senteur bon. La classe 21, l'adulte est déjà en vert, 22 je l'ai. Non. La 20. Lui la 28. J'ai trouvé. Elle est juste ici, c'est une petite case. Hop, je la chope. Je vais remettre de côté. Le numéro il est ici. Hop. Je sais pas c'est quoi. On voit toujours pas. Ça a l'air d'une crème. Tout petit crème. C'est toute petite, hein. C'est combien ça? 7 millilitres. Je m'en... C'est du coup la crème légère apaisante pour peau sensible. Ah, ça c'est bien. Ça serait pour monsieur. Pour mettre sur ses doigts. Enfin, ses mains, là, tout ça, il est comme il se lave. Mais si je vois bien, en fait, c'est pour mettre sur la figure. Parce que vous, je sais pas si vous allez voir, là, il y a un petit personnage. Enfin. Pour les peut-être crème légère clamade il marque quoi sur la boîte, parfois on a plus facile une texture légère à la camomille bio pour irritation et après apaise la peau les plus sensibles. Voilà. Bah ouais. Moi je pourrais peut-être essayer d'en mettre ici. C'est comme moi. Ouais, bah voilà pour la crème. Je ferais compte c'est toute petite. Bah je vais tester ça et si ça va bien, je pense que je en reprendrai. Parce que c'est vrai que ici moi je suis toujours sensible avec mes lunettes. Et on sent que c'est un peu plus sec. Voilà. Je remets la case. Et voilà pour ce calendrier de l'Avent du... Je sais même plus faire 21. voilà. Celle que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est ces deux-ci. Voilà. Dans les figurines, la pommade, toujours triturée. Toujours pour être utilisé, c'est bien. J'ai trop envie de savoir ce qu'on va avoir le 22, le 23, le 24. Presque la fin. Sur ce, je vais vous laisser là. Dites-moi en commentaire quel personnage vous avez apprécié dans ce que j'ai eu. J'arriverai. Hagrid. Et Mini, j'arrive pas à l'avoir. Hop, voilà. Ces trois-là. Et puis pour ceux qui veulent essayer de me donner les... Monsieur va me le donner, hein, c'est pas grave. Si vous avez envie de les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. Lui c'est un truc avec... Je sais plus, mais voilà. Et du coup, la petite crème, je vais tout remontrer. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour la case 22. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la case 22. Bisous bisous!